negativa è già finita, tutti attaccati a sta mazzata lì, no? O va a far vedere morto con amore. Povera corte mia, sta lì ammuffita. E sì, parte sto passo e qua il signore non illumina un po' qualche dottore. La professione del beccamorto è ita. L'anno da poi fu nel 17. Allora sì, sta piazza era un bel vivere, i morti fioccavano a carrette. Basta, chissà. Matteo disse ieri sera che un beccamorto vengo su e gli scrive che c'è qualche speranza in sto colera. Die Totengräber, les Krankenhäuser. Schlecht geht das Geschäft. Es will doch kein Mensch sterben. Umsonst die Hitze, alles geht daneben. Sie klammern sich an dies verdammte Leben. Das muss die Freude am Beruf verderben. Mein Leichenturm, muffig, voll Spinnenweben, sitzt totenstill. Der Himmel hilft uns nicht. Die Herren Ärzte tun nicht ihre Pflicht. Nein, Totengräber wird's bald nicht mehr geben. Ja, anno 17, das war eine Zeit, da konnten wir unseren Beruf noch lieben. Die Toten kamen nur so reingeschneit. Mal sehen, wer weiß. Matthias sagt mir ja, ein Freund, auch Totengräber, hat geschrieben, das wird vielleicht was mit der Cholera. Quelles affaires tu veux faire? Personne ne meurt. Ce peu d'air mauvais, c'est déjà fini. Ils sont tous accrochés à cette fichue vie. Va donc être croque-mort avec amour. Mon malheureux poêle, il est là, moisi. Et si ça continue et que le Seigneur n'illumine pas un brin quelques docteurs, la profession de croque-mort est enterrée. La dernière bonne année remonte à 17 ans. Alors oui, hein, sur la place, c'était peinard. Hein, quand les morts arrivaient à pleine charrette. Hein. Basta. Qui sait? Mathieu disait l'autre soir qu'un croque-mort de ses amis lui fait transmettre qu'à cause du choléra, il y a quelque espoir. Et puis, on avait demandé une autre délicieuse de belles.